Bonjour, le pasteur Douglas et moi-même sommes heureux de vous retrouver dans Prière inspirée aujourd'hui où nous allons parler du tour de transformation dans nos vies. On va parler des lieux de pression, les souffrances voulues par Dieu, les leçons que le Seigneur a nous données dans ces temps particuliers et l'élévation aussi qui vient de Dieu. Et je pensais à un passage dans Matthieu au chapitre 26, bien sûr, bien connu de Jésus à Gethsémané. Et on se rappelle que voilà, son âme était triste jusqu'à la mort. Et tellement il était sous une pression, le sang a même coulé de son front. Et c'est intéressant de voir la différence entre lui et les disciples qui, lui, il prie, il se jette au sol et il prie avec agonie, avec force, pendant que les disciples, en fait, ils s'endorment. Et à la fin, il leur dit même, voilà, maintenant vous reposez. Donc, au début, ils s'endormaient par la fatigue, mais au bout d'un moment, ils ont lâché l'affaire, ils laissaient tomber et ils se sont là simplement laissés aller. Jésus leur dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et à ce moment-là, les disciples n'ont pas été capables en fait, de se laisser transformer dans ce temps d'épreuve, de difficulté par le Seigneur. Et plusieurs d'entre vous, vous passez par ce temps-là. Vous êtes au cœur de ce tour de transformation. Vous êtes là dans les mains ou entre les mains du potier. Et c'est un moment qui est très inconfortable. Je le sais pour l'avoir vécu plusieurs fois. Ces moments où on sent la pression, une pression parfois spirituelle qui vient sur nous pour nous amener à une humilité, j'aimerais dire une humiliation au niveau de la chair, où on a vraiment besoin de crier au Seigneur pour avoir force, courage, pour qu'il nous transforme. Et j'ai parlé plusieurs fois cette semaine de ces cahiers que j'ai écrits quand j'avais 19, 20 ans. Je fais exprès d'en parler plusieurs fois parce que je sais que c'est une inspiration pour plusieurs. Et je peux aller à n'importe quelle page quasiment de ce journal spirituel que j'avais à l'époque et voir beaucoup de questions, beaucoup de temps, de difficultés, de pressions, beaucoup de questionnements, beaucoup de prières que j'ai faites au Seigneur avec des questions que j'avais. Et ça, c'est le tour de transformation. Nous avons besoin d'être transformés par Dieu et aujourd'hui, je crois que la puissance du Saint-Esprit est là pour agir, pour vous fortifier aussi, pour vous encourager, pour vous expliquer ce par quoi vous passez. Alors avec toi, pasteur, on va parler de ce tour de transformation dans nos vies. C'est quoi le tour? Parce que souvent, on parle d'une tour, mais là, c'est un tour. Hein. Oui, un tour, en fait, c'est cet instrument en forme de tour hein, qui est rond, où le potier, justement, après avoir donner une forme, avant de donner une forme maintenant à l'argile, il va placer dessus et il va appuyer sur la pédale et la tour va commencer à tourner. Et pendant ce temps, ses mains sont à l'intérieur, il essaie de donner une forme de l'intérieur d'abord. Et à partir de l'intérieur, dès qu'il a fini, il travaille maintenant de l'extérieur. C'est comme si vous êtes à un endroit, mais vous tournez en rond. Vous avez l'impression que rien ne se passe. Mais en réalité, beaucoup de choses sont en train de se passer. Et ça peut tourner des fois plus vite, des fois moins vite, selon le rythme et selon la forme que le potier veut donner justement à l'argile. Et c'est justement la phase la plus difficile dans la transformation parce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On doit rester en place. Si on bouge. Voilà, il ne faut pas quitter le tour, il ne faut pas quitter les mains du potier, il ne faut pas quitter la maison du potier. Voilà, ça c'est vraiment le secret. Il faut rester là parce que c'est là justement que le potier est en train de maximiser, le potentiel dans le travail parce qu'il vise quelque chose. Pendant que vous êtes sur le tour de transformation, il veut vous donner une bonne forme qui va justement perdurer. Okay. Et ça représente beaucoup de choses. Déjà dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28, Paul nous dit quelque chose de très important. Il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tu es l'argile entre les mains du potier. Tu as passé par les étapes qu'on a citées les jours précédents et tu arrives maintenant à cette phase. Sache que parce que tu aimes Dieu, parce que Dieu t'aime, parce que tu es l'instrument de son choix, parce qu'il a commencé à faire un travail à l'intérieur de toi, qu'il veut maintenant peaufiner ce travail. Et tu vas passer par ce tour. Et c'est des moments de pression, mais énormes, de toutes parts.
pression mentale, pression financière, pression de manque, de galère, pression où tu as l'impression, tu as même l'impression que Dieu n'est pas là. Tu peux crier, tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Tu t'attends à une prophétie, mais tu n'as rien. Tu veux une parole d'encouragement, mais rien. Tu as l'impression que Dieu est silencieux. Mais son silence ne justifie pas ou ne dit pas qu'il est absent. Donc, il est là. Mais il te laisse parce qu'il veut faire un travail profond. Parce que le tour vise un travail en profondeur. Parce que ta hauteur sera déterminée par ta profondeur avec Dieu. Plus tu es profond avec Dieu, plus Dieu pourra te présenter à un haut niveau quand tu seras exposé devant les hommes. Donc c'est pour ça que Dieu prend tout son temps. Avec Moïse, ça a duré 40 ans. Avec Jésus, ça a duré 30 ans, vous imaginez un peu? Je ne sais pas combien de temps ça va durer pour ceux qui le suivent. Mais Dieu prend son temps. Et pendant ce temps, il ne faut surtout pas sortir de ce tour. Un jour, Jésus lavait les pieds des disciples et Pierre est venu lui dire, il dit, non, tu ne me laves pas les pieds parce que ce n'est pas digne. Et Jésus lui dit, écoute, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Dans Jean 13, verset 7, il dit, mais tu le comprendras bientôt. Il y a certaines choses que Dieu va commencer à faire. Et des choses aussi bien positives que négatives, des circonstances, des événements, des problèmes, des difficultés, des déserts et des épreuves qui vont arriver que tu ne vas pas forcément comprendre. Et, mais Dieu dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Quand on est sur le tour, on ne comprend pas. On a comme des vertiges, on se pose des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me connaît? Et autre chose aussi que je voulais épingler, c'est que vous pouvez avoir travaillé avec Dieu, servi le Seigneur à une dimension. Mais quand Dieu veut vous amener dans une autre dimension, en réalité, il va casser le vase que vous étiez hier pour faire de vous un nouveau vase. Donc du coup, le passage d'une dimension inférieure à une dimension élevée te fera passer aussi par le tour de transformation. Amen. Où tu ne comprends pas, tu as l'impression de tout perdre. Tu peux perdre des connexions, tu peux perdre des amis, tu peux perdre beaucoup de choses. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Pendant ce temps, il faut être attentif à la direction de Dieu. Il faut être comprendre, se rappeler toujours du rêve de Dieu. Parce que Dieu fait toujours toutes choses en accord avec sa parole. Il est toujours en accord avec sa parole et il sait très bien ce qu'il est en train de faire et où est-ce qu'il est en train de nous mener. Et pendant le tour de transformation, le Seigneur va faire concourir des situations, des événements pour notre bien. Il dit « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». On n'a pas dit « toutes les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Toutes choses, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Dans Lamentation, Salomon nous relate que c'est de l'Éternel que viennent toutes choses. Le bien et les mots. Donc Dieu permet ces choses, mais pour un but précis. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque vous êtes sur le tour, vous devez vous appuyer tellement sur le Seigneur, lui faire tellement confiance en disant que personne ne peut vous sortir de là si ce n'est Dieu lui-même. Alors, autant mieux attendre que Dieu termine son travail, plutôt que d'avorter le travail de Dieu. Donc, il faut se dire, Dieu est au contrôle. Il est le maître de toutes choses. Et Job l'a dit, il dit, mon rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Quand bien même je ne comprends pas, quand bien même ma situation ne fait que se dégrader, alors que je suis intègre, alors que je crains Dieu, mais comment je peux vivre ces choses? Dieu peut permettre ce genre de situation. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Pas quelquefois, mais toujours. Donc, c'est avec assurance que je peux dire que lorsque tu es sur le tour, il faut faire confiance au Seigneur qui a commencé un travail qui va achever. D'ailleurs, dans la pédagogie de Dieu, Dieu ne commence pas avant de finir. Dieu finit et puis il vient commencer. Parce qu'il y a des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées. C'est déjà préparé. Maintenant, il revient avec toi pour que tu passes avec lui étape après étape. Et il faut se dire aussi que nos destins, nos destinées sont entre ses mains. David l'a dit. Nos destins sont entre ses mains, donc on peut lui faire confiance. Pendant que nous sommes sur le tour, nous tournons, nous ne comprenons pas toujours tout. Et pendant ce même temps, on se pose des questions. Pendant ce même temps, malheureusement, certains réagissent mal en se plaignant, en murmurant. Dieu n'a pas de chouchou, hein. C'est-à-dire, si Dieu a prévu que vous devez passer par là autant de temps, il n'y aura pas de raccourcis. Les enfants d'Israël devaient quitter, en quittant l'Égypte pour arriver à Canaan. C'était un trajet d'à peu près 40 jours.
mais ils en ont fait 40. 40, ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Parce que c'est pendant ce temps que Dieu va t'éprouver. Et il nous éprouve pendant les pressions. C'est là où ce qui au fond de nous sort. Vous avez cité tout à l'heure Jésus à Gethsémani. Gethsémani, c'est le lieu du pressoir, le pressoir à huile. C'est là qu'il a été pressé. Et même plus loin, Esaïe dira, il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc le tour de la transformation, c'est un lieu de brisement où Dieu brise ta chair, brise ton estime, brise ton ego. Il faut que le moi meure, il faut que tu meures afin que Christ te ressuscite et que tu vives pour lui et par lui. Donc, et toutes ces choses, ça plaît à Dieu. Ça ne plaît pas à notre chair, ça ne plaît pas à notre âme, mais c'est le passage obligatoire si nous voulons être un chef-d'œuvre de Dieu. Dieu ne fera pas des choses pour te faire plaisir, mais il fera ce qui est nécessaire pour toi, parce qu'il sait qu'en le faisant, tu seras un vase qui va tenir, parce qu'il voit déjà les attaques qui seront devant toi, il voit déjà les épreuves que tu vas rencontrer devant toi, et il te rend déjà fort. Et sachant que ce qui ne te tue pas aujourd'hui te rend en réalité plus fort. Et nous avons un exemple plausible dans les Écritures avec Joseph. Joseph qui a eu des songes, qui a eu des rêves. Il a eu le rêve de Dieu. Les deux songes qu'il avait eu, c'était des rêves prophétiques. Mm-hmm. C'est Dieu qui les a donnés concernant son avenir, concernant l'avenir de sa famille. Mais ces rêves qu'il a eu de Dieu l'ont amené des problèmes. Déjà, la tunique de plusieurs couleurs que son père l'avait confectionnée, ça a poussé ses frères à le haïr parce que c'était en principe réservé au fils aîné, le premier-né. Mais lui, il était quasiment le dernier. Mais comment il peut avoir ces choses? Ça amenait la jalousie. En plus de ça, les deux songes, ça amenait la jalousie. Et ses propres frères l'ont haï sans cause. Ils ont voulu le tuer. Et ils ne comprenaient pas comment on peut tuer son propre sang. Mais parce que Dieu l'a permis. Simplement, Dieu peut permettre que les gens nous haïssent. Dieu peut permettre que les gens nous rejettent. Dieu peut permettre que les gens nous méprisent, que les gens nous salissent. Quelquefois, on se demande, mais où est Dieu dans tout ça? On prie, mais où est Dieu? Mais Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire. Et Joseph se retrouve dans la citerne, par la suite vendu par ses frères. Il arrive en Égypte en tant qu'un Hébreu, ayant des promesses, ayant la vision de Dieu. Mais il devient comme une marchandise à vendre. On l'a vendu. Il devient esclave. Servant dans la maison de Potiphar. Mais tout ça, c'était le cheminement de Dieu. Dieu l'a emmené de la mort déjà à la dimension d'esclave pour travailler dans la maison de Potiphar. Et de là, parce que la main de Dieu était sur lui, il voyait quand même la prospérité. Parce que ce qu'il faut aussi dire, pasteur Jérémie, c'est que même pendant que Dieu travaille, pendant que c'est dur, il y a toujours comme une main providentielle qui vient calmer, qui vient pourvoir, qui vient nous soutenir. C'est pourquoi le Seigneur même disait aux enfants d'Israël, vous êtes passés par le désert 40 ans, mais vos vêtements ne sont pas usés, vos chaussures ne se sont pas usées, j'ai pourvu pour votre accommodation, vous n'avez pas été brûlés par le soleil. En tout cas, j'étais là. Donc ce sont des preuves qui montrent que malgré les épreuves, les difficultés, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Et parce qu'il est là, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et qu'est-ce que Joseph a vécu encore? Joseph a vécu des fausses accusations parce qu'il a voulu garder l'intégrité. La femme de Potiphar a voulu commettre l'adultère avec lui, mais il a refusé. Il a préféré perdre le manteau que son maître lui avait donné au profit justement, d'aller coucher avec la femme de son maître. C'est pour dire que pendant ce tour, pendant que tu tournes, Dieu va permettre aussi des tentations. Et dans ces tentations, il veut que tu deviennes fort. Il veut que le caractère intègre, le caractère de patience, d'humilité, de la crainte de Dieu soit manifesté. Or, tu ne peux pas manifester ce caractère-là tant que tu n'es pas passé par le tour. C'est pendant le temps d'épreuve, il est dit que aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Avec la tentation, il trouvera un moyen que vous puissiez vous en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Il est sorti de là. J'étais en prison, passé par des moments difficiles, de fausses accusations. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un nous suit aujourd'hui, son nom est sali. Il subit des fausses accusations. C'est le parcours de tout enfant de Dieu. Si on veut briller demain, si on veut devenir un chef d'œuvre de Dieu, il y aura des gens qui te mettront les peaux de banane, il y aura des gens qui vont te trahir, il y a des gens qui vont te salir.
t'accuser faussement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie et Dieu l'a justifié. Il était dans la prison. Il a aidé ceux qui étaient dans la prison avec des songes. Mais ils l'ont oublié. Voyez, les gens à qui tu peux faire du bien, tu attendras peut-être qu'ils te rendent la monnaie ou te rendent l'ascenseur. Mais ces personnes vont t'oublier. Dieu permettra qu'on t'oublie. Dieu permettra que personne ne s'occupe de toi. Mais quand bien même tout le monde m'abandonne, comme David a dit, mon père, ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Mais autant marqué par Dieu, quand Dieu a vu qu'il a été suffisamment formé, préparé, il a reçu le caractère, il était capable de pouvoir diriger non plus la maison de Potiphar, mais maintenant une nation, parce que dans la prison, il a certainement appris l'économie divine sans être allé à l'école. Et quand Dieu a vu que c'était prêt, il était prêt. C'est alors qu'en un jour, alors qu'il ne s'attendait pas, c'est Pharaon qui va avoir un songe et Joseph va sortir à la hâte. En un jour, toute la vision s'est accomplie. Dieu l'a élevé parce qu'il avait suffisamment préparé pendant près de 13 ans. Donc là, ça peut prendre du temps, mais laissons-nous entre les mains du potier. Ce qui est sûr, c'est qu'il a commencé, il va l'achever. L'élévation ne vient ni des hommes, ni de l'Orient, ni du désert. C'est Dieu qui élève et il veut élever des personnes, il veut élever des jeunes, il veut élever des serviteurs, il veut élever. Mais est-ce que nous sommes prêts? Quelquefois nous pensons être prêts, mais nous ne le sommes pas. Dieu seul sait à quel moment nous sommes prêts, au moment où il va nous présenter. Parce qu'une fois que l'élévation vient, c'est la présentation. Une fois que tu finis le stade du tour de la transformation, tu es prêt maintenant à être embelli et à te présenter au public. Et Dieu ne présente jamais au public sans t'avoir caché. Dieu cache toujours ses enfants avant de le présenter au public. Amen. Soyez fortifiés par ces paroles. Merci, pasteur. Amen. Et c'est intéressant de voir qu'avec Jésus, il a dû apprendre jusqu'à la fin. Et souvent, quand on vieillit, on a l'impression, comme je disais dans la première émission, qu'on a déjà été formé. Ça, c'est l'histoire des jeunes. Bon, ils ont besoin d'être formés parce que ils sont, entre guillemets, un peu tout feu, tout flamme et ils ont besoin de changer dans leur caractère, etc. Et certaines personnes peuvent penser comme ça en ayant vieilli. Mais Jésus a eu besoin d'apprendre. Il a appris jusqu'à la fin. La Bible déclare qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et je vous assure, à Gethsemane, il est en train de souffrir. Et lorsqu'il était sur la croix, il souffrait. Lorsque on l'a flagellé, il souffrait. Il était en train d'apprendre. À la fin de sa vie sur terre, il continuait à apprendre, à apprendre l'obéissance. Alors, à combien plus forte raison, nous avons aussi besoin de continuer d'apprendre dans la souffrance, sur le tour. On a besoin d'apprendre. On a besoin de continuer notre apprentissage de cette parole qui est là pour nous instruire, pour que l'homme de Dieu soit accompli, capable d'accomplir toute bonne œuvre. J'ai besoin, vous avez besoin, nous avons besoin de rester sur le tour de transformation. Et nous avons besoin, comme Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, nous l'avons rappelé cette semaine, ce Jésus, d'être comme lui et d'apprendre, de continuer d'apprendre. J'ai besoin de continuer à apprendre. Je ne sais pas tout. La Bible dit que si nous croyons connaître, alors nous sommes aveugles. Non, nous avons besoin de dire, non, je ne sais pas tout, Seigneur, mais j'ai besoin d'apprendre. Je veux apprendre. Seigneur, transforme-moi, parle-moi, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de maturer, Seigneur. Je suis encore qu'un enfant, et c'est vrai, si même Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, c'est parce qu'il a trouvé en Jérémie le cœur de quelqu'un qui était enseignable. Que vois-tu, Jérémie? Oh, une branche d'amandier hâtif. Il était enseignable, il était à son écoute. Alors oui, quand nous sommes à son écoute, il nous change, il nous modèle, il nous transforme. Et Pierre a écrit dans son épître, il dit, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Et je peux vous dire que les personnes qui ont été persécutées, même dans leur chair, les gens qui ont été meurtris, battus à cause de leur foi en Jésus, ne sont plus très intéressés par le péché. Quand tu as été frappé à cause de Christ, quand on t'a jeté nu en prison, je t'assure, tu n'as pas envie de sortir de prison pour aller coucher avec des filles à droite et à gauche. Tu en as fini avec le péché. Il dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et il dit, c'est suffisant, en effet, quand vous étiez dans le passé, vous accomplissiez la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle.
mais nous ne sommes plus de ces gens. Ce n'est plus notre façon de vivre. On a besoin d'apprendre et on a besoin de nous armer, de s'armer de la pensée qui était en Jésus-Christ. Et cette pensée, c'était la souffrance. Oui, Seigneur, je suis prêt à souffrir pour toi avec ta Seigneur. Force. Alléluia. Je ne veux plus vivre, Seigneur, selon mes désirs humains. Non, Seigneur. Mais je veux vivre en accomplissant ta volonté dans le temps qu'il me reste à vivre. Ta parole déclare qu'il faut racheter le temps. Que les jours sont encore peu nombreux. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Père, je veux prier pour les personnes maintenant qui regardent cette émission, qui prient avec nous, alors qu'ils sont sur le tour de transformation, en train de subir des pressions, de vivre peut-être même des abus, des circonstances difficiles, une opposition, une hostilité à leur égard. Merveilleux Jésus-Christ, merci parce qu'ils vont apprendre. Ils vont apprendre l'obéissance par ces difficultés. Tu es sage, plus sage que nous, plus intelligent que nous. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, merveilleux. Jésus-Christ, tu es le potier. Effectivement, nous sommes ton argile. Fais ce que tu veux avec nous, Seigneur. Fais ce que tu veux. Glorieux Jésus-Christ. Change-nous. Transforme-nous. Alléluia. Puissant Jésus-Christ. Nous sommes ton vase. Le troupeau de ton pâturage. Viens nous remplir de ta gloire. Que nous puissions être ces vases. Alléluia. Qui sont remplis de ton onction. Brise l'orgueil. Brise. Afin que l'onction ne soit pas perdue. Brise la fierté, Seigneur. Que le pot ne soit pas troué, effrité. Brise ce qui est charnel, cassé. Brise le monde. Voulons contenir, Seigneur, cette gloire être ce dans ces vases de terre. Afin que ta gloire, portez ta gloire dans cette génération. Portez ta gloire dans les nations. Nous voulons faire du bien autour de nous. Et tu nous appelles à rester, à demeurer dans la fidélité, demeurer sur le tour. Alléluia. Donne-nous force et capacité, ta parole le déclare. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. L'apôtre Paul lui-même disait, j'étais auparavant un homme emporté, mais il m'a été fait grâce. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci parce que tu nous as transformés. Merci déjà pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs, dans notre caractère. Tu nous as donné un cœur nouveau premièrement. Puis tu nous as changé par le fruit de l'Esprit. Tu nous as rendu plus patients. Tu nous as rendu plus persévérants. Tu nous as rendu plus doux. Tu nous as rendu plus humbles. Alléluia. Tu nous as transformés. Alléluia. Tu nous as rendus maîtres de nous-mêmes. Glorieux Jésus-Christ, je déclare ta gloire sur celui qui écoute maintenant, sur celle qui écoute et qui est découragée, qui passe par ces temps de difficultés, qui ne sont pas le fruit ou la conséquence d'une malédiction de la loi. Nous ne parlons pas ici d'une maladie, d'un accident de la route ou de tout ce qui provient de la loi, mais de ton travail, Esprit de Dieu. Et pour ceux qui sont découragés et abattus, je prie, Père, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur, car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton Esprit. Que ton Esprit descende sur eux, Seigneur. Les visite maintenant. Que ton Esprit remplisse leur maison et leur cœur. Que ton Esprit remplisse, Seigneur, la tour qu'ils sont. Et en haut de cette tour, Seigneur, ce qui éclaire ici et là, l'âme, leur pensée, leur intelligence, qu'elle soit éclairée, visitée par toi. Esprit de Dieu, nous t'accueillons, nous t'invitons. Tu es le divin potier. Nous t'adorons. Nous aimons le travail de tes mains en nous, nous façonner, nous changer. Tu n'as pas sorti, Jésus. Alléluia. Pour les fortifier. Oh, brista la bando, brosseta la boye. Iste brenda, brosseta coro, bropaye. Inde le franda, brosseta le bropaye. Iste brepa, brope, lide, crosto, fropa, papa, bloya. Alléluia. Bâtis l'intégrité, Seigneur. Bâtis la simplicité de Christ. Bâtis en nous, Seigneur, la vie de Christ. Bâtis en nous, Seigneur, le caractère.
bâtis en nous, Seigneur, la vie de Christ. Ta vie jaillisse en nous, Seigneur, sur le tour de transformation. Nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes entrés. Nous entrons sur le tour sans forme, mais nous sortons avec la forme que tu nous donnes. Dans ce lieu de prière, dans ce lieu secret, tu nous transformes, tu nous façonnes. Combien de fois ta main est sur nous, au point où nous ne pouvons qu'être par terre, comme écrasés, écrasés sous ta main puissante. Combien de fois nous sommes comme Christ qui était dans Gethsémané et on doit rester sous le pouvoir, la puissance de ton onction. De moi, tu dis non, ma volonté, on ne doit pas sortir de ce lieu de prière. Tienne, on ne doit pas sortir de cette onction. Ta volonté, Seigneur. On ne doit pas sortir de ta volonté soit faite. Oh Jésus-Christ, je après prie la ton peuple croix, puisse la être un peuple comme Seigneur. Cette après parabole que tu as donnée de cette femme, gloire, cette Seigneur. Femme qui était si après persévérante épreuves, oh Dieu, y a de pour nous apprendre qu'il ne fallait jamais arrêter de prier et que nous puissions être comme cette femme. Prions pour quelqu'un, Seigneur, qui passe par des de prier, rester sur l'autel. Restez là, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fais-le, Seigneur. Fais-le, mon Dieu. Fais-le. Par force, ni par puissance. Fais-le, mon Dieu. Fais-le, mon Dieu. Que la chair soit brisée. Fais-le, mon Dieu. Que la chair soit brisée. Cette chair qui pense pouvoir servir Dieu par elle-même. Cette chair qui s'imagine qu'avec son expérience, qu'avec son intelligence, qu'avec sa connaissance, elle pourra faire quelque chose. Alors que tes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Tes paroles, Seigneur. Nous te supplions, mon Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Tu l'as fait avec les apôtres. Je t'adore. Tu l'as fait avec tes serviteurs. Je te glorifie. Tu le fais encore aujourd'hui. Oui, Jésus-Christ. Tu sors quelqu'un de ce tour qui devient façonné à ton image. Un véritable chef-d'œuvre. Le roi de Dieu. Gloire, c'est toi. Tu es saint, Seigneur. Dans lequel tu déposes ta gloire. Je te glorifie. Dans lequel tu déposes ta gloire. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. La présence du Saint-Esprit s'intensifie Alléluia. Sur vous. Plusieurs personnes, vous allez commencer à vivre une expérience nouvelle avec Jésus-Christ, Alléluia. Le Maître, le divin potier. Il va venir travailler avec son onction et sa présence sur vous au point de vous rendre au sol, de vous mettre à terre. Alléluia. Et là, vous allez rester là, dans cet esprit de prière. Et vous allez y demeurer. Ne sortez pas du lieu de prière avant qu'il soit le temps d'en sortir. Restez dans ce lieu de prière, frères et sœurs. Restez-y. Plusieurs, vous en êtes sortis trop rapidement, mais restez-y. Parce que le Seigneur est là, il vous modèle, il vous façonne.